Sam, je crois que Charlie a du nouveau matériel à te montrer. Envoyez la sécurité tout de suite! On a un code! Ah on traquera tous les enfoirés de ton espèce jusqu'au dernier! Vous pensez pouvoir vous en tirer? Non, mon général. C'est l'Amérique qui va payer. Le contrat interdit les armes sur ce type d'opération. Qui doit le savoir? Le général McGowan. Mais j'ai de quoi te consoler. Un petit souvenir que j'ai rapporté d'Indonésie. Merci, Vic. Mais il y a peu de chances qu'un carambit me serve pour une reconnaissance aérienne. Qui sait? Où est Charlie avec son téléphone? Désolé, j'étais en train de finir de peaufiner cette petite merveille. Son signal est complètement indétectable. Oui, alors? Ça évite de se faire fliquer par la hiérarchie. C'est pour ça que t'es là, fiston. Sam? On y va. Transfert en cours. On y est. À tous, ici King. On y va. Go pour Knight. Go pour Bishop. Go pour Hook. Go pour Hook. Go pour Queen. Autre chose, chef? Préviens Sarah que je serai injoignable pour quelques jours. Sarah, elle est célibataire, non? Non. On va dire que non. Pirate pas leur réseau, on est invité. Ouais, mais c'est trop tentant! Vidéo, ok. J'engage deux équipes. Je l'ai. Clé de cryptage site F, 40 jours avant expiration. Laissez-le. Bishop, HF, on continue. Activez le brouillage et partez. La blacklist est lancée. Maintenant.
Anderson, ici Paladin 02, demande autorisation de décoller. Reçu. Radio HS ? Non, la radio marche bien. Tour Anderson, ici Paladin 02. Demande autorisation de décoller de l'héliport Alpha 9. Bon, ça traîne. C'est une procédure de merde. Tu ne veux pas rater ta soirée poker avec McGowan, c'est ça ? Hé, comment tu crois que j'ai eu l'hélico ? Laissez-le. Équipe Bravo, au rapport. Go pour Bravo. Allez. Bordel de merde. M'aider, 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 Paladin 02, on va s'écraser! Accroche-toi! On est à la base? Juste en dehors du périmètre. Magne-toi. On est trop exposé ici. Vic, aide-moi, je suis coincé. Le téléphone satellite. Ouais. Oh la vache, vous allez bien ? Putain, mais qu'est-ce qui se passe ? On s'est crashé, on va bien. C'est l'arsenal qui a dû péter. Où est-ce que t'es ? Je suis planqué sous un camion avec mon ordi. Bon, tous les canaux sont HS, et il doit y avoir un brouilleur radio. Il y a un signal... au nord-ouest. Ok, ne bouge pas. On va trouver le brouilleur. Allez. Je te parie que ces enfoirés utilisent un de nos brouilleurs. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? C'est ce que je ferais. Attention, Sam. Ça sont des pros, il y en a même pas d'armes de poing. Planquons-nous dans la tranchée. Putain, c'est pas un tir de mortier. On aurait dû une Katyusha. Ok, c'est dégagé. Vite, aide-moi à monter.
Ellie, à couvert. Ok. C'est un bon gars qui est de cette liste. Je pense qu'il faut chercher dans ce là. Hey. Ouais. Allume la caméra. La compagnie Bravo vient de choper un caporal. Ils sont en train de le poser. Tant mieux, parce que celui-là ne tiendra plus longtemps. On s'occupe d'abord de cette caméra. Ouais. J'espère qu'ils auront le caporal là-bas. Ça a l'air mort. Et... ça tourne. Hey, ah, tu crois. Il se vide de son sang. Et on ne peut pas l'évacuer sans les communications. Je vais le stabiliser. Aucune voie de brouilleur. Ça marche, Vic. Bonne chance. Ils sont pourris, gâtés. Les paresseux. Ouais, ça. Sans leurs avions et leurs missiles, ils ne peuvent plus rien faire. Mais ils peuvent mourir. C'est comme ça qu'ils vont former à bien avoir. Ton instructeur devrait être fusillé. On veut un maximum de dégâts, pas un feu d'artifice. C'est comme tu veux. Gamin, on va t'envoyer de l'aide. C'est moi. Tu sais comment on arrête ce truc? Je fais ce que je peux. Comment va le gosse? Pas terrible. Charlie, c'est bon. Super, c'est cool. Tout ce que vous devez faire, c'est désactiver l'oscillateur pour couper le signal de brouillage. Ne bouge pas. Ne parle pas, ok? Charlie, j'ai un interrupteur. Tu vois un bouton bleu? Ouais. Vas-y. Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux me dire, mec? Qu'est-ce que tu veux me dire? On arrête la blacklist. Le brouilleur est éteint, Vic. On n'arrêtera pas la blacklist. Grenade! Parle d'une violente attaque contre la plus importante base militaire de l'île de Guam. L'agression la plus meurtrière depuis Pearl Harbor. Un groupe se faisant appeler les ingénieurs a revendiqué l'attentat. Montrant des images effroyables de l'attaque, a été dévoilée sur Internet pour faire part de leurs exigences. Ces attaques portant le nom de Blacklist. Blacklist, la Blacklist.
ce jour. Nous avons une revendication. Vos soldats sont présents dans 153 pays. Rallier les troupes. Immédiatement. Sinon, nous lancerons une attaque chaque semaine. Nous ne négocierons pas. Vous n'arrêterez pas la Blacklist. Vous avez 7 jours avant la prochaine attaque. Le choix vous appartient. Nous sommes les ingénieurs. Où en sommes-nous? Paladin One et l'équipe d'échelon 4 sont prêts, Madame la Présidente. Mais on a perdu, Monsieur Fisher. Son ami est entre la vie et la mort. Trouvez Coste, vous trouverez Fisher. Il y a des centaines de morts à Guam, et un compte à rebours est lancé sur des cibles américaines. Le monde veut des réponses, Monsieur Fisher, et je n'en ai pas. Échelon 4 doit en trouver, mais il lui faut un leader pour ça. Quel coup, Vic. Je veux un des hommes de Vic et aucune question. Vous pouvez garder Charlie Cole. Et Grimes Dottir a recruté un des meilleurs agents de la CIA en soutien. Isaac Briggs. Ce sera sans Grimes. Elle non plus, elle ne voulait pas de vous sur cette mission. Ce n'est pas négociable. Personne mieux qu'elle ne sait travailler avec vous. Bienvenue à Echelon 4, Monsieur Fisher. Classe, non? Première fois en avion? Non. T'as du nouveau sur cette organisation d'ingénieurs? Pas vraiment. Briggs et notre contact isolent les éventuels candidats. Et sur les noms? American Freedom, American Blood. Des attaques potentielles, avec des comptes à rebours. Bon, 5 jours avant American Consumption? Oui, c'est ça. On cherche toutes les cibles potentielles en ce moment même. Je vais te donner des infos sur l'avion. Prototype de transporteur militaire? Oui, mais avec plein de modifications. Armurerie, infirmerie, cellules, toutes les ressources disponibles au sol. Entièrement mobile, comme au bon vieux temps. Ça va, Briggs? On vient de me poser la radio hypodermique, on dirait qu'ils m'ont fait ça au burin. C'est génial, à côté Air Force One, c'est un avion de tourisme, hein Sam? Tu veux discuter de ce qu'on peut améliorer? Après, montre-moi les lieux. Moteur de recherche multimédia, analyse prévisionnelle, expertise photo et vidéo. Plus les accès aux systèmes internationaux ELINT et à ceux de reconnaissance faciale de la CIA, NSA, DCS, FBI... Tout en temps réel. C'est à propos de ça que tu frimais? L'IMS? Interface de mission stratégique. Nous l'avons bien améliorée depuis le premier prototype que Charlie a fait. Explique-lui les détails. Et le meilleur, c'est que tu peux tout contrôler d'ici ou de ta montre terminale quand t'es sur le terrain. Impressionnant. Ok, tu dis si t'as besoin d'un truc, je vais aller voir mes cadeaux. Merci, Charlie. Salut, Sam. Merde. Merde. T'as fini l'installation, Charlie? Ouais, une seconde. Ok. Ok, Sam. Je crois que tout est quasiment prêt. Je dois juste overclocker quelques composants et voir si mes commandes de matos ont été approuvées par Sa Majesté. Préviens-moi si t'as des problèmes. Ok. Plutôt pas mal cet atelier, hein? Je vais pouvoir améliorer et réparer la plupart du matériel et... si on a le budget et les réserves, je vais vraiment pouvoir m'éclater avec ton équipement. Je suis entre de bonnes mains. Les meilleurs. Eh, tu veux quelque chose, là? Ouais. Tu pourrais travailler sur un casque. D'accord. Sympa.
Quelqu'un pourrait-il m'apporter une tasse de café ? Merci. Bon boulot, Charlie. Merci.